Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Lundi 13 novembre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez bien? Ouais, tout va bien, nous tenons tête haute. C'est lundi à Goma, qu'est-ce qui se passe? Ah, en fait, la ville de Goma se porte à merveille, sauf ce dérangement lié aux coupures du courant électrique, chose qui plonge la population dans l'angoisse et dans les commas, puisqu'on vous le savez, le courant, c'est le droit de tout citoyen congolais, être éclairé. Malheureusement, à cause de ces petits Rwandais qui ont tout fait pour plonger Goma dans le noir, mais quand même la population tient la tête haute. On ne baisse pas garde et on ne tombe pas dans le désespoir comme elle voulait. Tenis, munitions, armes des M23 récupérées par les FARDC sur la ligne de front de Masisi. L'armée congolaise ne blague plus. Hein. Exactement. Vous savez, quand on a toujours dit c'est les Rwandais qui nous attaquent, ces sanguinaires génocidaires Kagame n'a jamais accepté. Leurs parrains de la maudite et fameuse communauté internationale, notamment les Français et les Américains, ils n'acceptaient pas. C'est pourquoi nous faisons tout ce qu'il faut pour conserver leur matériel, y compris même leur tenue. Et lorsqu'on tombe sur ça, on doit exposer, que tout le monde sache, que le monde puisse comprendre cette vérité qu'ils ont toujours niée, que c'est la vérité. Mais nous sommes sûrs et certains que comme nous sommes entrés, nous la République, comme nous représentons, bien nous présentons à la communauté internationale, à l'opinion nationale, internationale, à ce que nous avions toujours eu dans les mains de ces Rwandais, je crois que dans les jours à venir, l'humanité par entière devra comprendre. Et comme la plupart ont compris, celles-là qui s'entêtent encore de comprendre, je sais qu'ils vont maintenant accepter que c'est les Rwandais qui nous attaquent. Les Rwandais qui attaquent, maintenant, qu'est-ce que le Congo fait pour riposter? Non, le Congo fait tout ce qu'il faut. Vous êtes au courant. Le Congo se protège ou bien le Congo riposte? Non, le Congo se protège. Vous savez, actuellement, nous avons une armée moderne. Aujourd'hui, nous avons quand même tout ce qu'il faut pour gagner cette bataille. Et comme vous le savez, l'esprit de l'homme congolais, ce n'est pas s'attaquer aux autres. L'homme congolais, c'est un homme accueillant et non pacifique. Mais notre comportement ne doit pas être aussi les sources de notre malheur ou bien ne doit pas être considéré comme notre faiblesse. Le Congo fait tout ce que vous avez lu chez Jeune Afrique, comment est-ce que la RDC a positionné ses drones à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Et ce n'est pas ces drones seulement. Nous avons aujourd'hui l'artillerie lourde et à mesure d'atteindre n'importe quelle cible si le Congo veut l'attaquer. Et c'est où? C'est positionné où? Non, c'est pas moi de dévoiler. D'ailleurs, je crois que même Jeune Afrique sont partis en besogne. Ils ne devraient même pas les dire. Ce n'est pas moi de dire que c'est positionné tel, non. Ce sont des points confidentiels et ce sont des points que ne doit connaître que les hommes qui sont sur les champs de bataille. À quel sens vous avez accordé la visite ou le séjour du chef d'état-major à Goma? Je crois que ça valait son pesant d'or puisqu'il fallait se rendre compte de ce qui se passe. Mais aussi, cela frise aussi, ça augure aussi manque de confiance. Ça veut dire que le chef d'état-major n'a pas confiance réellement à certains commandants, ceux-là qui sont sur les lignes de front. Et il fallait que lui seul puisse arriver sur le terrain pour savoir est-ce que ce qu'on lui dit c'est vrai ou bien ce qu'on lui dit pas est faux ou bien vrai. Mais aussi, c'est une bonne approche puisque la confiance n'exclut pas le contrôle. Il fallait descendre et savoir réellement quelle est la vraie situation. Il faut palper du doigt. Et c'est ça le genre du chef que nous voulons. Nous voulons voir quelqu'un qui va faire le suivi de tout ce qui est dépensé comme fonds, quelqu'un qui va faire le suivi de tout ce qui est chanté, qui s'est fait sur terre. C'est quelque chose qui valait son pesant d'or. Et selon vous, son passage va changer quelque chose?
Je crois que ça va améliorer surtout la morale de nos compatriotes, ceux-là qui sont sur les lignes de front. Mais aussi, c'est une considération. Ça montre aussi aux hommes de troupes qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a même l'hiérarchie. Attendez, là où 4 étoiles descendent sur terrain, quand même, c'est quelque chose de bon. Ça va changer, surtout armer nos jeunes compatriotes par une morale au zénith. Et ce jeune, parce qu'on a vu, il a tenu une causerie morale avec de jeunes qui sont sur Kibumba, Nyiragongo, tout ça. Est-ce que pensez-vous que ça montre la détermination de Kinshasa de vouloir mettre fin à cette guerre? Exactement, ça montre la détermination, mais l'essentiel serait que cette détermination soit à la hauteur de convaincre la population une fois pour toutes, puisque la population, nous sommes tellement déterminés pour mettre l'ennemi à l'extérieur, et on aimerait aussi que les autorités aient cette même philosophie, même politique, et même détermination. Si vous regardez quel est le degré de révolte de la population congolaise et ce que fait aujourd'hui l'armée, je pense que nous sommes en train d'aller dans la même direction. Selon vous, qu'est-ce qui a été déjà fait dans cette guerre et qui doit encore être fait? En fait, beaucoup de choses ont déjà été faites. Premièrement, la considération de nos jeunes résistants Wazalendo, le VDP, c'est pas moindre. Mais aussi la résistance de près de 2 ans, nous allons dans les 2 ans, c'est pas moindre. Nous aimerions maintenant voir que cette résistance puisse être continuelle, puisque nous sommes nés dans la guerre, grandis dans la guerre, mais nous ne devons pas mourir dans la guerre. Nous devons nous imposer, nous devons imposer la paix sur l'étendue de l'intégrité territoriale de la RDC. Beaucoup de choses ont déjà été faites, surtout revoir les conditions de vie de nos militaires, ceux-là qui se battent, c'est une bonne chose, et on aimerait qu'on puisse améliorer toujours davantage leurs conditions de vie. Vous savez, à l'époque, en 2013, quand nos jeunes étaient sur les lignes de front, c'est la population qui nourrissait les militaires. C'est nous qui leur donnons même l'eau à boire. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai vu qu'on a doté quelques camions, quoique ça ne suffit pas, puisque c'est décellement à nos militaires. On aimerait qu'on puisse même doter au moins 5 à 6 camions pour leur fournir l'eau potable. C'est une bonne chose. Alors, nous, la population, les accompagnons, oui, mais c'est pas comme on le faisait en 2013. Puisqu'en 2013, on s'est partagé les tâches. Vous allez amener l'eau, et en plus, on amenait l'eau dans des bidons. Mais aujourd'hui, quand même, puisque souvent je visite quelques lignes, et je vois quand même il y a une considération. Nos jeunes qui sont sur les lignes de front sont considérés. On aimerait qu'on puisse ajouter les moyens. Qu'on puisse leur ajouter quand même les moyens pour qu'ils puissent continuer toujours. Puisque maintenir la guerre pendant 2 ans, c'est pas moindre, cher ami. C'est quelque chose de bon. Ça montre quelle est notre bravoure. Ça montre la détermination de la République d'en découdre une fois pour toutes avec les Rwandais. Est-ce que pensez-vous que la RDC a du mal à gagner cette guerre? Oui, la RDC n'a pas du mal à gagner cette guerre, mais la RDC a toujours voulu autre solution que ce que veulent les États-Unis, les Rwandais, la France. La RDC, nous, on pense qu'on peut résoudre les guerres africaines de telle ou telle autre manière, mais l'essentiel, c'est que les gens respectent l'intégrité territoriale de la RDC. Mais pour les Allemands, et ils veulent toujours qu'il y ait escalade, c'est pourquoi ils entêtent Kagame. C'est pourquoi les Américains dotent des moyens conséquents à Kagame, en pensant qu'un bonjour Kagame prendra même une portion, une lopée de terre en RDC. Mais nous, nous pensons, nous avons notre devoir qui est la protection de l'intégrité territoriale. Mais nous avons aussi le devoir de répondre contre toute éventuelle attaque visant la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas du mal à gagner, mais nous pensons que les Rwandais, les petits Rwandais, ils peuvent prendre encore conscience. S'ils ne le veulent pas, je l'ai toujours dit, je paraphrase Caméré qui l'avait dit, en force de nous faire la guerre, vous nous avez appris l'art de la guerre. Nous sommes prêts à en découdre et c'est pourquoi vous voyez que l'FRDC avance, quoi qu'il n'avance pas à pas de léopard comme nous le sommes, ils avancent encore à pas de tortue. Mais dans les jours à venir, je vous jure que vous allez. Les personnes qui pensent que l'FRDC n'avance pas, eux-mêmes vont jurer, eux-mêmes vont. Ils vont parler ce qu'ils seront en train de voir maintenant.
On a vu une photo de Kamer et Kagame et Tshisekedi qui fait polémique. C'est le fou. Qu'est-ce que Kagame a échangé avec Kamer? En fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils Vous auraient. avez vu la photo? Oui, j'ai vu la Est-ce que ça vous dit photo. quoi? J'ai vu la photo. Ah, en fait, dans le monde diplomatique, oui, il faut montrer notre colère, il faut montrer au monde que nous sommes fâchés contre ce que fait M. Kagame. Mais cela aussi, ça dépend des circonstances. Moi, je pense que Kamere, si c'était moi, je ne devrais même pas saluer. Monsieur Kagame, vraiment, je ne devrais même pas poser une photo avec Kagame, mais lui, je ne sais pas qu'est-ce qui lui aurait poussé de poser avec Kagame. Peut-être c'est aussi des gestes diplomatiques. Mais à part ça, j'avais suivi son discours où il a blâmé directement Kagame et Museveni. Peut-être c'était, vous savez, la diplomatie, c'est aussi l'hypocrisie des nations, voyez-vous. Donc, c'est le vous qu'a caméra joue à l'hypocrisie en Il saluant a joué, Kagame. exactement, il a joué à l'hypocrisie puisque dans les discours, il a C'est blâmé. pardon qu'il a demandé à Kagame ou bien c'est quoi Non, position là? Kamere ne peut pas demander pardon à Kagame, je n'ose même pas le croire. Pour quelle fin? Kamere s'est parmi aussi les victimes à cause de Kagame. Je pense aucun citoyen congolais qui peut demander pardon à Kagame. Aucun, et d'ailleurs, même manger dans la même assiette avec Kagame, je crois, c'est cracher sur la mémoire de nos compatriotes, ceux-là qui sont tombés sous les coups de balle des militaires rwandais. Aucun Congolais digne de son nom peut dire à Kagame qu'on s'excuse, qu'on avance autrement, non. Et aussi, les gens doivent comprendre, même si les relations se remettaient au bon fixe entre les Rwandais et les Congo, tant que Kagame sera au pouvoir, je ne vois pas un Congolais qui aura l'état d'ouvrir ses dents ou bien sa bouche pour un Rwandais. Je ne le crois même pas. Cette guerre jusqu'à quand? Jusqu'aux victoires de la RDC. Nous allons mener cette guerre, nous allons rester debout jusqu'au jour où le Congo va recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Nous, nous voulons qu'il y ait une réponse adéquate à ce que nous vivons, mais cette réponse ne doit pas dire que nous devons fléchir les genoux puisque nous voulons voir finir cette guerre une fois pour toutes. Nous devons finir cette guerre en marchant, c'est pas en dialoguant. C'est pas en dormant, non. Nous allons gagner cette guerre. Si nous allons utiliser tous les moyens, tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous a conféré comme pouvoir. Kagame, vous l'aviez suivi, ses propos qui suscitent polémique. Il a dit qu'il est prêt à tout si jamais quelque chose arrive dans son pays. Il est prêt à réagir, et même si on va le blâmer, mais il ne s'arrêtera pas. Il fera tout pour venir et mettre fin à cette histoire au Congo. Bon, j'ai suivi ces balivernes, Il a dit ceci, je cite, en tout cas, le président Kagame met en garde contre tout débordement de combattre les FARDC, MONUSCO et M23. Je vous donnerai ce qu'il faut. Mais reprocher au sens propre au terme, nous sommes vraiment prêts à être blâmés, mais nous laisserons pour avoir fait ce que nous devons faire. Nous, j'ai suivi ces balivernes, mais il doit savoir que nous sommes aussi prêts, nous ne sommes pas des enfants. Et d'ailleurs, nous nous sommes plus que prêts que lui. La fois dernière, il avait dit, voir comment est-ce qu'elle se prépare l'armée congolaise et c'est pas qu'il prépare la guerre contre telle ou telle autre nation. Aujourd'hui, il dit qu'il est prêt, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je l'ai toujours dit, la paix a changé les camps. C'est nous qui avions peur à l'époque de lui, mais aujourd'hui, c'est lui qui a peur de nous. Il est devenu comme un perroquet. Chaque jour, il laisse les réseaux sociaux avec son armée numérique. Lui seul se déploie lorsqu'il voit qu'il y a défaillance, puisque son armée numérique a été mise en déroute par certains jeunes vaillants journalistes qui se battent pour la vérité au Congo, certains jeunes patriotes qui utilisent leur propre téléphone, qui font tout ce qu'il faut. Et l'armée numérique a été mise en déroute. Lui seul, maintenant, il se déploie sur terrain. Nous leur disons, nous sommes prêts à en découdre. S'il faut utiliser tout ce qu'il faut pour le faire, le Congo va le faire et nous allons le mettre en déroute. Quand il parle de débordement, c'est puisque nous avons ce droit de poursuivre l'ennemi partout là où nous allons le voir. Tout celui qui veut se mettre trouble au Congo, nous allons le poursuivre. S'il se cache à Kigali, nous allons aller même jusqu'à Kigali.
Quand les 1-23 traversent la frontière pour venir ici chez nous, mais il les voit, il les accompagne, c'est son armée. Alors, pensez qu'ils vont venir attaquer ici, ils rentrent chez eux calmement, ça c'est révolu. Il doit oublier ça. Ils traversent chez nous, on va les poursuivre. Attendez dans les jours à venir, nous allons chanter une nouvelle chanson. Ça, je l'ai dit. Chez nous, nous serons en train de rire. C'est eux qui vont commencer à pleurer comme nous, on pleure ici chez nous. Mais ces gens ne finissent pas. Vous dites, les gens disent toujours que l'armée bombarde, tire, si jamais ils ne meurent pas. Non, c'est ça, la question. Attendez, ils meurent. Au Rwanda, ce sont des deuils. André, ils s'organisent au Rwanda. Chaque jour au Rwanda, il y a des deuils. Et moi, ce que je regrette, c'est du fait que certaines personnes acceptent toujours que leurs enfants puissent devenir des engrais chimiques au Congo. Aussi, nous devons comprendre, nous sommes en guerre contre les Rwandais, l'Ouganda, et ils ont renforcé même par les Mozambicains, ils ont renforcé par les Sud-Soudanais, voyez-vous. C'est que nous sommes en guerre contre 4 pays. Et dire que non, ces gens ne finissent pas, ils finissent et ils meurent comme des mouches. Mais chaque jour, ils renforcent. Qu'ils viennent, nous avons notre Sokoï, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons nos jeunes résistants à Wazalendo, nous avons tout ce qu'il faut pour les mettre en déroute. Qu'ils viennent, ils viennent chaque jour, et même hier, le samedi, ils ont renforcé avec des véhicules marqués Fousseau qui transportaient d'autres terroristes. Et il se peut qu'il se prépare à attaquer encore à Kishishe. Mais comme nous avions déjà compris, nous allons les dérouter. C'est pas un problème. Vous savez, la guerre a toujours eu ses techniques et la RDC utilise aujourd'hui. Nous sommes sous forme dans une guerre d'usure. Ils vont venir, mais ils vont finir ici chez nous au Congo. Lorsque nous allons avancer, ils n'auront plus les personnes pour nous faire face. Après, pour faire face, ça veut dire quoi? Non, ils n'auront plus les personnes pour nous bloquer. Ça, c'est sûr. Je regrette qu'encore chez eux, il y aura des veuves, comme vous ne le croyez pas. Ouais. Après plusieurs alertes sur le renforcement des troupes M23-DF dans le groupement des Bambou en territoire de Ocho, les affrontements viennent en tout cas de commencer depuis 6 heures du matin, ce lundi, dans le village Tchaï, groupement des Bambou. Tchaï est situé à environ 8 km de la cité des Bambou et de Kishishe. Oui, ils ont renforcé et ils se préparent toujours pour les attaques. Mais attention, comme nous l'avions si en amont, les mesures sont déjà prises pour les contraindre. Comme vous le savez, actuellement, les FARDC sont à Kishishe. Et ça, les gens doivent le savoir. Aujourd'hui, nous avons une partie de Tongo qu'on contrôle. Et ils pensent qu'on va réattaquer Tongo. Mais ils ne vont pas réussir. C'est pourquoi j'appelle toujours que notre morale soit au zénith. C'est pourquoi j'appelle toujours la population de rester toujours debout et vigilante. Puisque ces petits Rwandais, ils ne baissent pas garde. Et nous aussi, nous ne devons pas baisser garde. Si leur morale se trouve à 50%, nous devons être appelés de ça 50%, puisque c'est nous qui défendons chez nous, c'est nous qui voulons protéger l'intégrité de notre territoire. Et ce sont des agresseurs, des envahisseurs, ils ne peuvent que détruire, mais ils ne vont pas nous réussir, puisque Dieu nous a conféré beaucoup de pouvoir, et nous allons utiliser, même si c'est le pouvoir surnaturel, on va les utiliser. Nous allons, s'il faut utiliser même nos montagnes, nous allons les utiliser. S'il faut utiliser notre faune et flore, nous allons l'utiliser pourvu que ce qui va nous rester puisse rester en paix. Ah. Et vous ne finissez pas? On ne peut pas finir. Mais nous sommes plus de 10 millions de citoyens congolais, majoritairement jeunes. Et en plus, nous sommes chez nous. Nous parlons même avec notre terre, puisque c'est Dieu qui nous l'avait donné, c'est pour nous. On dit à notre terre, c'est nous qui sommes ici. Vous vous rappelez de l'histoire quand ces Rwandais avaient attaqué les Maniema, les Kindu. C'est ce que les chefs coutumiers avaient fait. Et c'est ce que font aussi nos chefs coutumiers pour mettre l'ennemi en déroute. Parce que la manière dont ces Rwandais avançaient en 2005 avec leur CNDP, en 2004 avec leur CNDP, de la manière dont ils avançaient en 2009 avec leur 4 avec CNDP, 9 4 avec RCD, 9 avec CNDP, 2013 avec les 1-23, c'est de la même manière qu'ils avancent aujourd'hui, c'est pas de la même manière. Nous avions compris qu'il faut adapter nos mesures et nous sommes chez nous. Lorsque Dieu vous donne une terre, vous devez contrôler même votre terre et tout ce qui existe sur votre terre. Et nous le faisons comme
avait fait encore nos ancêtres dans les Kindu. Dieu nous aide pour le faire et nous allons gagner. On ne peut pas finir puisque nous protégeons chez nous. Qui a tué l'officier, le capitaine et soldat congolais à Goma? Je ne sais pas. C'est pas. Il aurait été confondu par, à un M23. Et comme vous le savez aujourd'hui, la détermination de la population pour mettre l'ennemi en déroute est au zénith. Je crois qu'il était au mauvais moment, mauvais endroit. Et puis, j'ai appris qu'on l'a mangé, mais c'est ça. C'est faux, archifaux, nous ne sommes pas des cannibales. Comment on ne peut pas manger un être humain? La population, sans le savoir, ils l'ont neutralisé. Ils pensaient que il aurait été confondu à un M23. Le gouvernement congolais a déjà commencé les enquêtes pour savoir dans quelles circonstances est mort cet officier. Mais dire qu'il a été mangé, c'est faux, c'est faux. Ce sont des informations venues de Kigali. Mais c'est un congolais. En fait, je n'ai pas beaucoup de précisions. Si, non, quand vous n'avez pas de précisions, l'armée a fait un communiqué, c'est un militaire congolais. Exactement, donc c'est un congolais. Ce n'est plus ce n'est plus à moi de répondre si c'est un congolais ou pas. C'est un militaire congolais qui aurait été lynché par la population à l'inconfondant. Parce qu'on a appris que lui aussi voulait lancer la veine de grenade et puis. On est venu au Lamenote. C'est dans les quartiers plus populaires et plus révolutionnaires. Mais c'est les quartiers Ndosso. Là, la population ne blague pas. Je suis de ces quartiers, je grandis dans ces quartiers. Mais je connais parmi ces gens-là qui l'ont. Non, je n'étais pas là. D'abord, j'étais à Kinshasa quand il a été lynché. Je n'étais pas à Goma. Alors. En fait, c'est dans ton quartier. Oui, c'est dans mon quartier. Vous savez, Ndosso a 34 avenues. Et les 34 avenues. C'était pas dans ton avenue. C'était à quelques mètres de mon avenue. Ah. Donc, soit 34 avenues, mais voyez-vous. C'est que je n'étais pas là. Et moi, si moi, je l'aurais vu avec ce qu'il avait comme grenade, il fallait l'arrêter et le remettre dans les mains de l'armée ou bien de la police, voyez-vous. Alors, je crois qu'il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et les militaires aussi doivent être contrôlés, surtout en état. En état d'ivresse totale, de débriété totale, ils doivent être. D'après ce que nous entendons, il était ivre et quand la population l'air aurait demandé qui es-tu, d'où viens-tu, puisqu'aujourd'hui beaucoup de gens. Il ne portait pas la tenue. Il était en tenue. Aujourd'hui beaucoup de gens passent et il y a ces petits Rwandais qui portent notre tenue. Vous avez vu les F23 qui étaient en tenue de JR, voyez-vous, notamment le psychopathe Yamani. Qui était en tenue de la garde républicaine. Comment vous allez savoir qu'il est à Douy ou bien n'est pas à Douy? L'essentiel serait, quand on t'arrête, tu dois dire, moi je suis tel, je suis tel, je suis tel, et prouver réellement que vous l'êtes. Faute de quoi la population est déçue, la population risque de s'en prendre à vous. Moi je ne peux dire aussi à la population, nous devons bannir les comportements de se rendre justice. Si on arrête un suspect, acheminons-lui dans les mains de la justice ou bien la police ou bien l'armée qui même puisse s'occuper de lui, puisque s'il serait un M23 et qu'on puisse les lapider, nous allons perdre des traces. Mais lorsqu'on arrête un inconnu, on doit le remettre dans les mains des agents de l'ordre qu'ils puissent en tirer des sources pour avoir beaucoup d'informations sur les personnes ou bien sur ceux qui prétendaient être déjà dans la ville de Goma. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé fait de cet entretien. Merci, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye.